Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue difficilement dans No Man's Skies, cette nouvelle série et ce nouvel épisode simplement sur la chaîne. Donc on va essayer de faire quelque chose, hein, si ça ne marche pas. Là actuellement le jeu est en mode très bizarre, hein, j'en ai chié pour le faire, pour le lancer. Donc là ça me semble plutôt propre. Si c'est smooth, s'il y a peu de lag, tant mieux. S'il y en a beaucoup, c'est-à-dire que le jeu est très très mal optimisé. De toute façon, à l'heure actuelle, chers amis, il y a des choses qui apparaissent et qui ne devraient pas apparaître. J'ai un PC qui est loin d'être peu performant et ça en chie. Par conséquent, si c'est pas beau, si c'est pas propre, si c'est pas smooth. D'ailleurs, tout ça, ça ne devrait pas être le cas déjà à l'heure actuelle. Parce que les rares choses qu'on voit à l'heure actuelle, c'est pas bon. Mais bon, c'est comme ça. Je fais tourner des jeux qui en chie bien plus, normalement. Et lui, non. Mais enfin bon. Donc tout le jetpack, le bouclier, les choses qui sont cassées, par exemple le radar est cassé, etc. Je vais juste régler le son avec vous, chers amis, c'est la seule chose que j'ai pas pensé à faire, effectivement. Nous sommes donc sur la planète Kaiushir Lemi, dans la galaxie Euclide. Donc découvert ça à 11h10 le matin. Oui, ça fait à peu près 1h10 que je suis à essayer de le faire tourner comme il faut. Hein. Soyons honnêtes. Voilà, le petit lac de la vie qui va bien, parce que le temps qui charge tout ce qui est autour de moi, j'imagine. Comme sur les vieux jeux. Au niveau du FOV, je l'avais légèrement modifié, vous allez voir. Hein. Vous allez pouvoir voir mes graphismes en même temps. Je vais mettre ça ici, et ici, ici. Voilà. Crac. Parfait. Options. Alors là, on a les options graphiques, mais est-ce qu'on a les options sonores? Pourquoi j'ai l'impression que je peux me les carrer dans le... Non, c'est bon. Au niveau de la musique, je vais la baisser légèrement. Au niveau de la sensibilité... de la souris, je vais la baisser un petit peu aussi parce que là, ça m'a semblé un petit peu violent. Ici je vais la baisser très légèrement, oui je vais devoir jouer à la souris chers amis. Effet sonore, on va les baisser aussi un petit peu. Voilà, donc les sauvegardes, comme vous avez pu le voir il n'y en a pas. On verra bien ça une prochaine fois, retour. Voilà, bon on y est. Et les touches sont pas bonnes, le keybinding n'est pas fait. Ok, bon bah écoutez, on va le faire aussi. Avancer, hop. Ok, nager vers le bas. Oui. Pourquoi pas. Interagir. Corps à corps. Corps à corps. Attends, corps à corps, corps à corps, corps à corps. Bah écoute là. Alt gauche, il est déjà pris. Bah écoute, F, c'est déjà pris aussi. G, c'est déjà pris. C comme kick. Oui, ça a un sens pour moi. Bon, on va remettre les paramètres par défaut. Là, le Q était là. Le Q prend deux places, mais à part ça, vous ne me le dites pas. Donc C pour scan, d'accord, ça me semble logique. Activer la torche, T, oui, F, activer le mode zoom, c'est bon. Je suis obligé d'appuyer là-dessus, oh là là, il n'y a même pas de molette de mise. Sauter, d'accord. Afficher la chute des H, d'accord. Utiliser l'arme souris 1, lancer la grenade souris 3, recharger R, changement d'arme, X, ça me semble logique. Accélérer, ici, freiner, ici, booster, c'est bon, tourner à gauche, tourner à droite. Sortir du vaisseau E, d'accord, amorcer l'atterrissage E, ça me semble logique aussi. Tirer, changement d'arme, ça c'est pareil. Espace, pulse, réacteur, d'accord. Carte de la galaxie M pour carte, ça je conçois. D'accord, il me semble que c'est bon. Ok, bah écoutez, maintenant on y va. On est dedans, on est dedans. Je regarde vite fait l'heure qu'il est. Oui, bah il est 11h12 de toute façon maintenant. Hop, et on y va. Je comptais faire un gros épisode de la mort qui tue, vous avez de nous réclamer. Alors oui, faut pas réclamer les objets de départ, chers amis, parce que j'ai la version précommande. D'accord. Système vital de décollage et d'atterrissage. Attention, du plutonium est requis pour recharger les propulseurs. Les procédures de lancement nécessitent des réserves de carburant suffisantes avant l'activation. Maintenez W pour débloquer la planète. Maintenez espace pour activer l'accélération. On va se déployer dans un état critique. Fabriquer des produits dans l'inventaire. Feuille de carite. D'accord. Feuille de carite. Pour ça, il me faut... Comment je suis censé... D'accord. Installer la technologie, d'accord. J'ai pas ce qu'il faut. Installer la technologie, d'accord. Donc je ressors en appuyant sur E. Réparer la pression. D'accord, d'accord, ok. On va fouiller les trucs, j'imagine. Un débris. Écoute, il faut un passe-atlas, d'accord. Ouh là là, le son qui augmente encore dans mes oreilles, c'est pas bon ça. Eh, on va se calmer le son, les effets sonores. Je sais pas vous, chers amis, je trouve ça un petit peu fort. Dites-moi dans les commentaires comment ils sont d'ailleurs au passage. Hop.
Ça me semble pas avoir changé, mais bon, c'est pas grave. Ok, j'espère que vous aura changé. Porte-bonheur geek. Et c'est le prix là. Voilà, très. Alors, le jeu n'est pas magnifique. Regardez-moi la texture au sol, c'est une laideur. Donc là, j'ai récupéré du fer, semble-t-il. Waouh, d'accord, ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis plus ou moins. Oula, c'est quoi ce truc? Oh, plutonium. Ouh, du carburant. Du carburant au caillou. Je me suis plus ou moins préservé du. De tout ce qui s'est passé dans le jeu, si je puis dire. Enfin. De l'oxyde de fer. Tu me dis. Du gros fer, hein. Et je peux le recharger ce machin parce que je vois un pourcentage qui descend, mais. Je vois un pourcentage qui descend, mais je. Non. Est-ce qu'il y a un point sensible sur ce machin là ou... Quelque chose qui fait que. Surchauffe. Surchauffe encore. Comment je suis censé recharger mon. Réparer les propulseurs. Apparemment, je peux réparer les propulseurs. Avec la blinda, gnagnagnagna. Alors, porte-bonheur, fer, nanana. Système de survie. Vaisseau. Attendez, on va y arriver. Ici. Feuille de carite. Oui, bah, je suis bien content de pouvoir le faire, oui, mais il faudrait que j'en. Craft plus. What? D'accord, bon. Je capte rien à l'interface, c'est cool. Oui, bah je peux transformer. Oh là 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 là, les lags comme ça, c'est pas normal. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi c'est. D'accord, il le scannait. Alors, je vais pas vous mentir, je suis extrêmement déçu pour le moment, déjà de la part de l'optimisation. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça? Émeril. Hop, merci. Hop, merci. Comment je suis censé réparer? Il y a une bébête qui a gueulé là, non? Du carbone. Dans un arbre. Logique. Eh bien oui, parce que nous sommes des êtres composés à la base de carbone, chers amis. Comme beaucoup de. Non, c'en est pas. De choses vivantes. Est-ce que c'est valuable de tuer des petits trucs comme ça? On a un placement d'inventaire vide. Rien. Ok. Ok. Comment je fais pour en faire une comme ça? Matériaux légers utilisés, non, d'accord, oui, ça je suis d'accord. Transférer, détruisez les ressources superflues. Fabriquer, d'accord. Putain, je l'avais pas vu. Il faut du fer. Un, deux, trois. Ouh! Toujours penser à regarder l'interface, réparer. Ouh! Pulse réacteur, iridium, feuille de carite, donc feuille de carite déjà. Laisse-moi. Hop, voilà. L'interface est très bizarre, effectivement. J'en avais entendu parler. Voilà. Du zinc. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai au niveau de la quête maintenant? Réparer. D'accord, il faudrait trouver du zinc. Oula, que c'est. Balise de détresse. D'accord, bonjour. La réalité semble se recourber sur elle-même. À l'instant, je vois des débris, puis l'autre, un grand orbe rouge, presque trop grand et trop éblouissant pour qu'on puisse le regarder. Il me connaît de fond en comble, mieux que je ne me connais moi-même. Est-ce là le visage de la création elle-même, ou bien, à peine réveillé et troublé, suis-je manipulé? Un nom incandescent pénètre dans mon esprit, Atlas, ainsi qu'une demande inexprimée, que je suive la voie que cet être, cet Atlas, a prévu pour moi. Accepter l'orientation de l'Atlas? Pourquoi pas? Bonjour. Je me sens recouvert d'une émanation d'approbation bienveillante. J'étais perdu, mais on m'a trouvé. L'Atlas reconnaît mon allégeance et j'éprouve la certitude qu'il se manifestera bientôt. Ah, j'ai pas le temps de lire la suite. Pourtant, je lis plus ou moins vite. Hein. Oula, il y a un point bizarre là-bas. Il y a une caméra qui me suit là-haut. Ok.
Donc ça, je ne peux pas l'ouvrir, on est d'accord. Bah, Atlas! Atlas, file-moi ton pass, Atlas. Non, tu ne veux pas. Bon, Atlas, tu es vilain, Atlas. Machine endommagée. Refroidissement avancé Sigma. La durée de rayonnement du canon à photon est sensiblement réduite. La destruction du vaisseau est grandement facilitée par la diminution d'interruption d'émission de photons. Active automatiquement une fois construit dans l'inventaire du vaisseau. D'accord. Tamium, chrysonite et fer. D'accord. Ok, jusque-là, c'est pas trop mal ça par contre. Hein. Scanner, carbone. Allez, écoutez ce qu'il faut. Appuyez sur scanner pour. D'accord. D'accord, et donc ça fait quoi? Oh, il y a un truc bizarre là-bas. Il y a des lingots. Du fer, oui, d'accord. Donc apparemment, l'iridium, c'est des espèces de produits chimiques. Cassez-vous. Dépôt de ressources détectées. Ah, attendez. Il y a des tonnes de choses par là. Hop, c'est tout proche. Hop, c'est tout proche. De la platine. Ouais, du platine. Ok, donc faut que je la récupère avec ça, mais c'est pas grave. Ça m'inquiète. C'est quoi ce truc? Attendez. Multi-outil, il est où mon multi-outil? Parce que là, ça m'inquiète, moi, ce principe. Protection environnementale, énergie, 100%, d'accord. Système de survie, énergie, 78%, d'accord. Jetpack. Éclat de blindage. Porte-bonheur, ma porte-bonheur, boîte de... D'accord. Multi-outil, D. Je le vois là. Énergie chargée avec des isotopes. Apparemment, le plutonium, ça charge dur. Bon, on va partir là-dessus pour l'instant. Iridium. Ah ! C'en est, d'accord. Oh ! Ah, c'est sympa. En plus, les lags se sont un petit peu calmés, même si le jeu n'est pas aussi beau que j'avais souhaité. Pourtant, je suis à fond, hein, chers amis. Hein. C'est ça que je ne comprends pas. Je reverrai ça tout à l'heure. De toute façon, c'est pas grave. Hein. En plus, j'ai l'impression qu'il n'est pas aussi beau que sur console, quoi. C'est chaud. Donne-moi absolument tout ce que tu as en toi. Hop. Merci. Surchauffe, hein. Inventaire plein. Ok. T'as pu transférer des objets. Je peux transférer du fer. Je peux peut-être jeter ce fer là aussi. Hop. Voilà. Pourquoi j'ai jeté le fer, chers amis? Je vais vous expliquer ça. C'est parce que j'en avais déjà en fait un stack ici. Vous voyez, j'en ai un stack complet de 250. Ici, ok. Vaisseau. Il me faut du zinc aussi maintenant. Bouclier défecteur. D'accord. Alors je doute d'être en mesure de pouvoir vous l'uploader dans la journée, honnêtement. Hein. Du zinc. J'ai scanné un gros coup, mais... Là-bas. Du zinc. Et mon vaisseau là. Bonjour. Nourrir. C'est que ce bruit. Ok, je suis pas tout seul ici. Est-ce qu'il serait possible d'avoir du zinc? Mais j'en avais pas autour du vaisseau? Justement, du zinc. Épuisement. Attendez que votre endurance se recharge. What the... D'accord, j'ai pas le droit de sprinter à fond. Visière d'analyse, d'accord. Bah écoute, j'ai appuyé sur un bouton au pif. Ok. Multi-outil peut-être. Visière d'analyse, effectivement. Bah écoute, on va le réparer. Oh. Oh, sympa. Oh, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Hop. Oh. Mais non. D'accord, faut que je les regarde. Oh. Uviorziusinufisis. Âge adulte.
J'ai entendu le rythme de la musique qui a changé. Aïe, aïe, aïe. On pas mis d'attaquer ceux-là, hein. Oula. J'ai peut-être fait une connerie. Oh la vache. Ah mais... Hop, je vous ai mindé. Je vous ai mindé. Et toc. Wouh. Je vais pas vous mentir, j'ai pris cher dans l'histoire. Hein. Qu'est-ce que c'est, des débris? Propulsion de grenade. D'accord, c'est un bonus, j'imagine. D'accord. Ok, c'est arrivé où? Dans mon cul? Lulu? Bon, quoi qu'il en soit, c'est intéressant. Donc, tous ces machins-là, on trouve des débris qui, potentiellement, nous donnent des infos sur le reste. Scanner. Est-ce que c'est du zinc? Est-ce que c'est du zinc? Du fer. Merde. Étape de voyage atteinte. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai fait? Une sentinelle détruite. Ah bah oui, ça fait longtemps, j'avais même détruit un paquet, hein, je peux te le dire. Hein. Du zinc, c'est du fer. Est-ce qu'il y aurait du zinc dans la place? Ah. Ah, ah, ah. Oh là. Y'a pas un ours là-dedans? Non, ça va. Bon, ça va. Du fer. Du zinc. Interroge. Oh merde. Inventaire plein. On m'avait dit que ça allait être chiant d'entendre inventaire plein tout le temps. Plutonium, méril, valeur 8800. J'entends encore des bestioles autour. Hein. Détruisez les ressources superflues, d'accord, ok, oui, mais non, mais c'est pas ça. Ok. Du zinc. Alors, juste pour voir, il m'en fallait combien pour mon vaisseau, j'imagine, hein. Il m'en fallait un peu plus, d'accord. Hello, guys. What do you do, good damn shit? Je préférais ne pas m'éloigner du vaisseau. Je voudrais pas tomber sur une bébête. J'ai entendu un petit hurlement, je sais pas vous. Ça met dans l'ambiance. Du zinc. Carbone. Ah, faut que je le travaille celui-là. Donne-moi ton carbone. Voilà, merci. Ah, il y avait du zinc dedans, d'accord, ok. Du... Oui, c'est ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Bon. De l'iridium. Mais il est en train de le scanner, non, c'est ça? Je tape dedans. Hein. Apparemment, il y a beaucoup de choses différentes à gérer. Hein. J'aimerais bien trouver un petit peu plus d'énergie. Oui, réparer les propulseurs. Oui, je peux le faire. Voilà. Et donc, système de survie énergie à recharger avec des isotopes. Technologie rechargée. D'accord. Ça, c'est chargé à fond. Ok. Ah, apparemment, j'ai plus de plutonium. Donc, rechercher du plutonium. Voici ma nouvelle quéquette. Bon, ça, c'est quoi? La chrysonite. Et j'en avais pas besoin de ça, de la chrysonite, à un moment ou à un autre. Ça me dit vaguement quelque chose, en fait. D'accord. Non. Non. Ici. Non. Bon, bah, écoute. J'ai cru voir ça quelque part. Pour vous mentir. Bon, là, il y a du carburant. Dans le coin. Oui, je la vois derrière. Hop.
Là, regardez. Plutonium. Wouhou! Réparation du vaisseau, c'est fait. D'accord, oui, c'est fait. Oui, je plus sois, j'ai réussi à réparer mon vaisseau. Oh, du plutonium. Voilà. Hop. Non, rien. Tiens, j'ai laissé un truc là-bas. Il y a de la vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, rayon d'effet pour les grenades, j'imagine. D'accord, ok. Au passage, j'ai vu qu'on avait une amélioration. Lance-foudre. Arme, lançant des projectiles. Arme à visée offensive. Attention, des éléments isotopes comme le carbone sont requis pour recharger le dispositif. Tout usage peut enlever le laisser de l'entité ciblée. D'accord. Mais ça va modifier en fait le truc, c'est ça, non? Intensificateur de rayon sigma. Alors, hein, sans apprendre la vitesse de destruction du terrain. Ah, ça c'est bon. D'accord. Ah la vache, je suis obligé de la... D'accord. Je pensais pas que j'étais obligé de la garder en fait sur moi. Ok, bon, on verra bien. Ok, c'est cool. Vous avez des objets non réclamés. Bon, bah écoutez, on va grimper dans le vaisseau. Hein. Razama, mania, mania. Oui. Pourquoi ne puis-je pas partir? Ah, il faut que je recharge, effectivement. Du tamium. C'est quoi le tamium? Quitter la planète. Et donc le décollage, c'était quelle touche déjà? Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de... Bon. Gna. Amorcer l'atterrissage. Ah bah merde. Il n'y a pas le décollage. Il y a amorcé l'atterrissage, mais il n'y a pas le décollage. Oh, le jeu. Oui, ok. Point de restauration enregistré, d'accord. Et donc, si je veux quitter la planète... Maintenez W pour décoller. D'accord, ok. Oh là là. Et c'est sympa, hein. Ah oui, on avait quelque chose là-bas, exact. Bizarrement, en fait. Bon, c'est pas plus mal de spawn. Bon, on va se reprendre, hein, vous inquiétez pas. Hop, on se pose. Ok, l'atterrissage. Je vais pas dire mal fichu, mais il est pas bien fichu. Ok, du coup, tu recharges tout le plan du truc, pourquoi pas. Ok, des débris là-dedans, je vais piocher dedans allègrement, on va dire. Sauvegarder. Bah écoute, je sauvegarde. Hello there! Marigotte douce. Elle est douce, Marigotte. Débris, un passe atlas, d'accord, je ne l'ai pas. On va te faire entuber. Passe atlas nécessaire. Bah. J'ai obtenu un passe atlas, on est d'accord. Ah, j'ai cru. D'accord, non, il me l'a. Ok, isotope, capsule énergétique, pourquoi pas. Bon, et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Oh, qu'est-ce que c'est? Analyser les technologies de multi... Traitement plus rapidement des matériaux riches en ressources pour la extraction. Oh, sympa. Il faut du plutonium, déjà. Bon, de toute façon, j'ai pas le... Non. Hein? Qu'est-ce que c'est? Étude spécimen. Ouh, joli. L'estime que vous porte la race vikienne a augmenté. D'accord. Ben bon, si tu le dis. C'est quoi les vikings? Les vikings? C'est les vikings! Hashtag rename! Puce de piratage. Exocombinaison. Je vais envoyer le carbone. Ça, c'est quoi? Guys, n'allez pas les gagner vikings afin d'accroître temporairement leur capacité pulmonaire. Attendez, pardon. Fabriquer des produits, d'accord, ok, ça coûte cher apparemment. Intéressant. Pas sur le vaisseau, toi. Plus de piratage. J'ai pas ce qu'il faut, il me faut plus de plutonium. Du plutonium! Bon.
Oula. D'accord. Est-ce que je peux l'enlever sans la perdre, la truc? Parce que ça fait pas du tout multi-outil. Démonter. Ah, ça me coûte des trucs. Pas grave. Recharge, d'accord. Oh là 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 là. Recharge. Voilà. Oh, je me tâte. Je me tâte, chers amis. Hop, les plutonium. Ok, bon. Qu'est-ce que tu me veux, Simone? Ok, bon. Alors, normalement, on a de quoi. Alors, c'est pas une technologie que j'aimerais installer, c'est plus de piratage. Bonjour! Scanner de signaux activé, la balise d'emplacement planétaire réponde. Nyeh! Transmission! Recherche de signaux de transmission. Oh! Observatoire détecté! Abri. Oh, sympa! Et je peux en faire plusieurs dans ce truc là? Une vache! Non, pas la nourrir. Une vache, une gius nufisis. La vache. J'ai gagné un petit peu de fer. Une vache de fer, d'accord. Wout. Il m'a foutu les boules celui-là. Est-ce que je peux en faire d'autres, des machins, histoire de voir si oui ou non je peux... Je peux en trouver d'autres sans... Sans embrouille en fait, c'est ça le truc. Est-ce que je peux en trouver plusieurs? Ces points. Et être tranquille ensuite pour aller les faire. Ça peut être sympa. Transmission. C'est sympa ce truc là si ça trouve. Donc transmission, ça trouve des points. D'accord. Observatoire détecté. Arrivé 8 minutes. 8 minutes. 8 minutes. Bon bah on va prendre le vaisseau, hein, c'est pas grave. On va prendre le vaisseau. On y va. C'est pas ce que je... Mais si, c'est ce que je voulais. Non, c'est pas ce que je voulais. Ok. Oh, merde. Propulseur de décollage. Mais ça coûte cher, le décollage. Mais ça coûte grave cher, le décollage. Arrivé 0,35. D'accord. Oh. Oh la jolie. Oh la jolie. Enfin la jolie. Enfin la jolie. Enfin, la petite maison. C'est la maison dans la petite maison dans la prairie. Ok. Le problème c'est que je vois pas du tout le carburant que j'ai. Forêt tropicale de Horude non découvert. Ah bon? Je me suis garé pile devant la maison, on remarque. Alors bonjour. Oh merde, personne encore. Nouvelle technologie. Accélérateur de recharge Sigma. Réduit le temps de rechargement du lance-foudre. D'accord. Et oui, mais moi, c'est pas... ça sert à rien, j'ai pas d'emplacement. Élément interagir. D'accord. C'est la fête. Bonjour. Là, il y a encore un truc, un point de sauvegarde. Non, c'est un truc à... Non, c'est un truc à... Oh oui, j'ai raté le gros de la maison, mais c'est pas grave. Bonjour. Oh. Oh. Bonjour. Vaïk, liquidateur. Bonjour. Je suis son complice. Billet d'exoï d'intagis que sera le haut lazayuk, uxian en powen exokaif, kabak
Kakbgar Aifen Tikwilo. Bah oui, je suis d'accord avec lui. Tiens, apprends dit de faire. Eh bah écoute. Je suis important, je suis un important, d'accord, ok. Est-ce que j'ai le droit de fouiller chez lui? Magie. Magie. Toi pas poser problème. Passe Atlas V2, ben j'ai pas. Toi pas poser problème, moi arriver dans grande maison. Grande maison être sympa. Destination atteinte, oxyde. D'accord. Plaque de blindage. Tout ça. Sauvegarder. Par contre, il va falloir retrouver du plutonium, du coup, c'est débile. C'est. Enfin. Quand je vois le prix que ça coûte de sauter, c'est débile. En fait, tout coûte du plutonium en fait. On est constamment en fait sous radiation, quoi, littéralement. Merde, le tanium c'est utile pourtant. J'ai bien appuyé sur I pour inventaire, je suis désolé chers amis, c'est une mauvaise habitude. X. Ça c'est quoi ça? Ouais bah je sais bien mais pourquoi tu... J'enlève le porte-bonheur. Ah bah mais c'est partout pareil. Et il va me falloir du carburant. Du carburant. Il y a un truc là-bas à 2 minutes. C'est vide un petit peu quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Faut pas le casser, on est d'accord. Bon. Il y a un... C'est quoi ce truc? Ah, c'est peut-être le truc qui est juste là en fait. Ah, mais je peux pas courir tout le temps, c'est chiant. Hop. On a un jetpack. Espace. D'accord, ça me semble un petit peu trop facile. Oh! Je m'en doutais un petit peu. Aluminium, neutre. Aluminium? J'ai plus de place dans mon inventaire. Oh, je peux pas le casser. Oh, je sens que je peux pas le casser celui-là. Du carbone, oui, bah non, moi c'est du carburant qui m'attire. Bonjour. C'est toi qui scanne le machin là-bas de 3 km. Donc, comment j'ai fait? Comme ça? Ok. Carburant! Marche pas. J'ai essayé. Ça devrait être une grosse source de carburant, je présume. J'espère bien, parce que de toute façon, vu ce que ça consomme, machin. Ah, voilà. Quelle ambiance. What the? Sale bête. Je me suis fait attaquer par une plante. Mais arrêtez de dire que mon énergie descend tout le temps, c'est faux. Et monter. Non. Apparemment il y a des choses là-dessus, c'est ça que j'avais vu tout à l'heure. Hein. Là il y a des choses bizarres aussi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... D'accord. C'est de la plante solide. Voilà, il y avait un truc ici.
Interagir, bouclier, bouclier au maximum, d'accord. Une plante qui me recharge mon bouclier. Allez comprendre, bon, on va arrêter tout ça. Concentrons-nous sur ce qui pourrait nous donner de l'énergie. Non? Ah, apparemment je suis essoufflé. Y'a pas du tout de carburant dans le coin? C'est dingue, j'ai l'impression que le jeu est moche. J'ai l'impression que le jeu est moche. C'est chaud. Déjà scanné, d'accord. Oui, j'assimile que ça, c'est que j'ai déjà scanné. Vais-je avoir suffisamment de carburant? Pas pour tout recharger, parce que mes systèmes de survie sont à recharger aussi. Du tamium, non, le truc énergétique. Capsule énergétique, d'accord. Carbone. Voilà, on va dire que c'est bon, on va dire que c'est suffisant. Vaisseau. Non, vas-y, vaisseau. Propulseur de décollage. Ok, j'ai pas le droit de le recharger, ça non plus. Parce que je suis pas assez prêt, oui, je suis trop con. C'est quoi ce truc là, rouge? Enfin, machin là. Ok, gros lag. Ok, une puce de piratage. Appelez le vaisseau, d'accord, c'est pour appeler le vaisseau ici. Ça, je cautionne, je comprends. Alors ici, on a quoi? Cargaison, isotope. D'accord, plutonium. Ah! Un tout petit peu de plutonium, c'est sympa. Du plutonium aussi, ça, non? Tu pouvais pas me l'afficher à l'heure? Oh, attends. T'es pas scanné, toi. Oh! Xius, c'est le jeune. C'est la version jeune de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah. Ah, j'ai plus de balles. De toute façon, si je pouvais partir là-dessus. Attends, t'es en train de me dire qu'en fait. J'avais un autre mode depuis le début. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Plutonium. Voilà. Voilà. Depuis le début, j'aurais pu aller 10 fois plus vite. Qu'est-ce que t'es, toi? T'es un papy, non? Costa Hit, d'accord. Costa Concordia, j'imagine. Voilà. Ah, oh, ça va tellement plus vite. Si j'avais su, chers amis. Si j'avais su. Faire. Ouais, là, ça va pas vite. Bonjour. Vous avez déjà découvert ceci, d'accord. Pas de soucis. T'excite pas, c'est bon. Ils sont peureux. Ici, on récupère aussi. Plutonium. D'ailleurs, dans ma combi, j'ai un stack complet de plutonium, ce qui est toujours agréable. Oh, il y a une crotte. Il y a une crotte ici. Pourquoi ton chien a tourné? C'est parce que ça monte? Hop. Oh, c'est beau. Oh. Oh, qu'est-ce que c'est? Émeril. Il dit. Hop. Plutonium. 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 Faible. Mais on a 75%, idiote. Qu'est-ce que c'est? C'est jaune. C'est rien. C'est du décor. Ok. Marcus, j'espère que t'es pas paumé. Attends, il m'est faible. Où est-ce que c'est faible? Ah, de là je peux le charger par contre.
Ok. Bon, c'est pas grave. Crac. Chaud le dash en fait. On peut remonter. Tiens, regardez là-bas. Arrivé, ça fait loin. D'accord. Et 15 secondes. Bah écoute. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Pourquoi pas? Il y aurait une espèce de capsule de sauvetage. C'est rigolo. Je veux aller voir. Qu'est-ce que ça? Le Eyeshap. D'accord. Ça s'est cassé. À croire qu'il y a quelqu'un qui est déjà venu ici. Le Eyeshap ou Eyeshap. Ça dépend. Si vous êtes chez iOS, voilà, vous savez comment on le dit. What the... Qu'est-ce que c'est que ça? Amélioration de la combinaison, d'accord. Ah oui, c'est un gros sac à dos. Oh, j'ai un emplacement en plus, c'est ça? Bah c'est cool. Merci. Est-ce que je peux casser ça maintenant? Non. Oh, j'ai envie de t'attaquer, toi. C'est cool, j'ai un nouvel emplacement de... Bon. Ah, là-bas, il y a un truc aussi. Arrivé dans 16... dans une minute, c'est... On va aller voir. Ça me coûte tellement au démarrage, je suis sûr. 50%. Hop! Faites que j'atterrisse pas dessus. Je pense que... Ah bah non. Ok. Cargaison oxyde, d'accord. Cargaison neutre, perle de fascination. Perle de fascination. Restaurateur de santé, santé au maximum, d'accord. Sauvegarder. Ok. C'est bizarre, hein. Je comprends pas trop ce que je fais. Je sais que je devrais décoller, aller sur une autre planète, machin, tout ça, bidule le truc. Mais ça me tente pas plus que ça. Après tout, si on est sur une planète, c'est comme ça. Donc en fait, je peux faire 4 décollages, c'est ça. Je peux faire actuellement. Alors je peux pas baisser le. C'est le. 4 décollages. Ça tombe bien, je crois qu'on a une grosse. Merde, on en vient de là. Merde, mon carburant, mon précieux carburant. Y'a pas une torche avec tes. Oh, c'est joli la nuit aussi. Mais y'a pas de carburant dans le coin. Ça pue du cul ce que je viens de faire en fait. Ça scanne des choses. D'accord. Oui, je suis essoufflé, ouais. Bon, bah, on va aller voir. Oh. Ça. Est-ce que j'ai une map normalement? Non, je vais me faire foutre alors. Hop. Plutonium. Voilà. On y va. Ok. Point d'arrivée, c'est arrivé, c'est ce qu'il y a là-bas. Ok. Pas ici alors. Hop. On devrait pas être trop loin. Voilà. On est à une minute. Une minute. Ah non, 13 secondes. Voilà. Si je sprint, ça va encore plus vite. Génial. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est? Le fragment de Recticum. D'accord, je trouve des trucs comme ça, moi, dès le début. Rien à foutre.
Le fragment de comme l'empreinte d'une civilisation antique fut jadis absorbée par cet étrange édifice. L'histoire des Vikings jaillit dans la langue de mon peuple, de mon propre peuple. Les nobles voyageurs seront épargnés. Leur voyage dans le cosmos ne sera pas entravé, conformément à ce qui a été décrété. La volonté de Yirk l'ordonne. Les honorables Vikings honoreront le jugement et les croyances des anciens. Demandez de l'aide pour comprendre la langue, d'accord. Ah, ça va prendre un mot. Ma connaissance des Vikings est accrue. Visuel. D'accord. C'est un mot important, je présume. Est-ce qu'il y a du carburant dans le coin? Comme d'habitude, en recherche de carburant. Ah ah! Aïe, agis. D'accord. Ça m'essouffle quand même. J'entends un bruit bizarre, j'imagine que ce sont encore des vaisseaux qui me passent par-dessus le nez. Yo! Je fais des choses qui te plaisent pas ou. Qu'est-ce qu'il y a? Par contre, la vraie question c'est comment je vais remonter en fait. Ah bah comme ça, d'accord. Hop, c'est bon. On a récupéré un petit peu de carburant, ce qui fait qu'on a rendu ça un petit peu viable. Bon. Eh ben on en chie, hein, nom de Dieu. Hop, on décolle. Bah y'a encore un truc bizarre. On va essayer de se poser. Posé! Bon, bon. Oh! Une espèce d'orbre! C'est un vaisseau comme le mien? Ah non, y'a pas de vaisseau. C'est quand même pas mon point de départ. Non, j'aurais pas laissé du. C'est pas mon point de départ! Faut pas me dire que c'est mon point de départ. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, terminal. Bienvenue dans la matrice d'approvisionnement. Oh d'accord, c'est du marché, vendre des articles de votre inventaire, d'accord. Acheter. D'accord, quand j'achète, c'est là où c'est le moins cher et après je peux le revendre le mieux, d'accord. D'accord. 31 000 unités, t'es sérieux? Éclat de blindage, d'accord. D'accord. Et donc si je veux te vendre des articles. Emeril. Pour 18 000 unités. Il me les achète plutôt bien en plus le sac. Hein. Plutonium ça se vend bien aussi. Hein. Ok. Bon bah non. Bah écoute, non. L'Emeril, je sais pas si je dois. Bon, je vais en vendre la moitié. Ok, j'ai tout vendu, quel con. Bon, c'est pas grave. Clic droit, l'interface est vraiment à chier. Je suis riche, c'est cool. Énergie, pas pour longtemps. Hop. Là, on va faire le plein ici. Technologie là, on peut pas faire le plein, c'est con. Système de survie. Ah oui, c'est vachement faible, effectivement. Hein, c'est... débile. C'est débile. Mon vaisseau. Où est mon vaisseau? D'accord. Donc il y a une espèce de micro d'âge de la mort, hein, mais... étape de voyage. Sur le départ, 50 000 unités. Ah, j'ai fait 5 km à pied, ça use. 5 km à pied, je voudrais rentrer dans le vaisseau. Ok. Coup de scan. Bon. Ça mis à part. Ah, si y a un truc bas. Oh, c'est un truc de langue encore. De langue encore, je crois. Cool. Y'a une juste à côté. Bon.
On va aller se faire ça et après je pense qu'on se laissera là pour le prochain pour cet épisode. Et puis dans le prochain épisode on ira dans une autre planète. Enfin sur une autre planète. Souvenir de Budare Are Aila. Alpha Aila. Les sons d'une tribu de guerriers de vikings disparus depuis longtemps s'écoulent dans de l'édifice et forment une essence spectrale qui m'emplit de sagesse. Le livre de Hirk mentionne l'ascension des voyageurs. Ils s'élèveront, plongeront dans le vide infini. Les vikings n'empêcheront pas leur ascension car les voyageurs sont essentiels, comme le décrète la parole de Hirk. Demandez de l'aide pour comprendre la langue. Tu peux pas demander genre 10 millions, 10 milliards de crédits. Détection. D'accord. C'est vrai que c'est un mot extrêmement important. Quel est le premier mot que vous apprenez en anglais? Détection. Un autre point est juste ici. Ok. Hello there. Oh, je crois que c'est encore un truc de... Oh, il y a du rouge là. Ça a clignoté rouge. Inventaire plein, merde. Débris, inventaire plein. Ah merde. Alors que je règle ce problème. On m'avait dit que c'était véritablement un problème, mais... Ah bah attendez, si c'est un truc d'inventaire. Ah, ah. Ah bah... Ah. Oh. Oh, donne-la-moi. 10 000 unités de... Ah, il faut les acheter en plus. D'accord, bah je l'achète parce que c'est... J'imagine que ça vaut le coup toujours, hein. De l'Erox, d'accord. Et... Méchant le jeu. Il est méchant le jeu. Hop. Il est méchant le jeu. Alors, bon. Exocombi. Ah, peut-être récupérer des choses. Capsule énergétique. Mais j'en avais pas genre déjà sur moi. Passe Atlas, d'accord, ok. Bon, il y a du, il y a un petit peu de plutonium à récupérer à droite à gauche. On va récupérer ça. Bon, bah, j'en ai pas vu là-dedans. J'avais vu un dernier endroit que je voulais visiter. Il est un peu plus par là, c'est un abri apparemment. Et c'est bizarre, j'ai l'impression presque qu'il est sous terre en fait. Non ? Alors attendez. Oh, c'est grand. J'ai encore pas tout. Hop. Allez, on se pose maintenant. Hop, il y a encore un truc là-bas. Ah, mais il y a plein de choses à faire en fait, c'est cool. Ok, lande de Xidio. De l'idio. D'accord, sauvegarde. Ok. Hop, c'était fait. En midi 2. Oula, ça commence à faire long comme épisode, je crois. On rappelle déjà même plus. Après, en plus, c'est prenant comme jeu. Hein. C'est véritablement prenant. Ah, mais il y a plein de petits bâtiments. Oh, c'est cool. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Machine endommagée. Refroidissement avant cet état. La durée de refroidissement nécessaire du canon faucon est sensiblement réduite. La destruction du vaisseau est grandement facilitée par la diminution des interruptions. D'accord. Ah non, c'est derrière, d'accord. Analyse de la technologie. Portée plus Sigma. L'amulateur de sortie. D'accord. C'est bête que tout ait été cassé ici. C'est le trou du cul qui a tout cassé. Tout cassé. Oh, bonjour. Non, personne. Spécimen, l'estime. D'accord. Restaurer le bouclier. Merci pour mon bouclier. Ok. Bon, j'imagine qu'il y a encore quelqu'un là-dedans, cela dit. Encore des gens qui volent, hein, quand même. Hein. Ok. Load. Oh. Oh. Moi qui m'attendais à voir quelqu'un. Isotope. Merci pour le carbone. Passe Atlas V2, d'accord.
Lanceur de plasma. La technologie. Grenade à disruption, d'accord. Non, ça m'intéresse pas, moi, les grenades. Hein. Pour l'instant, ça m'intéresse pas. Puis j'aime pas jouer grenade. Ah, mais je peux pas. Ah, attendez. Réflecteur de l'os longubi. Observateur. Une balise envoyée il y a mal longtemps dans un système de lanterne depuis. Attends ma réponse. Trois nombres sont visibles juste au-dessus du boîtier de saisie. Je crois que je sais quoi faire. Hein? Je crois que je sais quoi faire. Non. Il y a un 7. Ah, on manque de pas de passe. On me demande un mot de passe. Ok. Ok. Merde, je voulais avancer le truc en fait à la base. Moi. Simone. En pièces sont affichées, d'accord. Des images en what? Ah oui, d'accord, c'est une espèce d'énigme. 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 6. Donc il y a toujours 2, 4, 1, 6, 1, 3. 4, 6, 3, 4. 6, 3, 4, 4. Donc normalement, c'est ça. Donc là, on s'est déplacé de 1. Donc ça commence forcément par un 4. Et ça doit être celui-là, normalement. L'observateur s'attire en bourdonnant en affichant l'emplacement d'un nouveau monde sur l'écran. D'accord. L'estime que vous avez. D'accord, on remonte très très haut. J'étais à 5 où tu es. D'accord, ça montre qu'il y a deux points aux alentours. Ok, une ruine. Mais est-ce qu'elle a été déjà découverte ou pas cette ruine? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Le point de sauvegarde, il était où ici? Il était là, c'est ça, ma sauvegarde? Non, ça c'est de la lumière. T'es nul, Marcus. Le point de sauvegarde. Non. Là-bas, le point de sauvegarde est là-bas. Ah bon. Ok. Eh bien écoutez, chers amis, je pense qu'on ira voir ce mot dans le prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé celui-ci. Pour moi, c'était un véritable calvaire à tourner, hein. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, on va pas trouver le lien dans la bannière de la chaîne simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens. J'espère que je réussirai à vous le mettre en ligne aujourd'hui, ça va être compliqué. Salut.